famous Queen Dragon up. They used to call this the technical car park. That was here where they kept all the technical equipment used during the filming. Just get thrown away, and so I'm delighted that Optimum has managed to survive, and I'm really pleased that you're taking the time to visit it, and I hope that you enjoy yourself. It's been years ago that we... Ça, c'est la maison de Sam Gamji. J'ai pas beaucoup commenté. Si, on voit un peu. Ouais, il y en a qui passent là-dessus. Là. Gisborne, qui est une ville sur la côte est, et on est venu là pour le surf notamment, et visiblement on va rester deux jours, et voilà quoi. Et là on galère un peu à se faire le repas. On avait juste une poche de vêtements parce que là, allez vite, non? C'est horrible. T'as pas avancé au début ou quoi? Non, mais j'ai pris mon temps. T'as vu? Est-ce que t'as sauté à la bosse? Du coup là on est dans un parc qui s'appelle le Arboretum Park et qui est un gigantesque, comment dire, ouais c'est vraiment gigantesque, on s'attendait pas du tout à ça, et c'est une sorte de, bah, on peut appeler ça, hein, une sorte de sanctuaire avec quasiment, enfin énormément, 3500 différents arbres, 3500 espèces d'arbres de Nouvelle-Zélande quoi, et c'est incroyable, ouais carrément, c'est, regarde celui-là, c'est une
C'est pas un châtaignier ça? Ou un noisetier? Non. On dirait plutôt une sorte d'érable. C'est un érable ça. Je sais pas. Si, si, c'est un érable. En tout cas, il y a plein de moucherons. Tu vois, ça fait un bien fou de marcher dans un endroit comme ça où la nature a un peu tous ses droits. Et bon, c'est vachement artificiel parce que du coup, il y a plein d'arbres qui sont pas censés être là en fait, mais je sais pas, ça fait... C'est marrant d'avoir en fait le monde dans un jardin quoi. C'est un petit peu ça. Ouais. Et alors ? On s'est fait attaquer par une espèce de pie. Et en fait elle descend de son arbre comme ça, elle vole et elle passe à 2 mm de nos oreilles, ça fait un espèce de claquement genre, comme ça. Et ça fait deux fois déjà qu'on a essayé de on a failli se faire attaquer. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, on vient de se lever, il fait un super matin et ça fait du bien parce que les deux derniers jours dans cette ville il faisait vraiment pas très beau. Mais là du coup on s'est levé, il fait super beau et on va aller surfer, c'est un peu le grand jour. On va louer des planches, on a rendez-vous à 11h et voilà, on va surfer toute la journée, ça va être vénère. Allez, regarde cette petite vue, c'est magnifique.